Bon, bah aujourd'hui, on est là avec un expert en alimentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors, professeur Keegan, diplômé en nourriture, spécialité saucisson. Ah ouais, donc vous devez vous y connaître en tout ce qui est calories, les machins là, quoi. Oui, alors moi, ce qui me fascine, c'est surtout le gras, la sauce, et puis... Ça pue, là, non? Je dois dire que ça sent le paix, quand même, un peu, là. En tout cas, c'est pas moi. Hein. Ça vient de derrière. Salut les enfants, c'est moi, Ronald McDo. Ouais, ça pue un peu là, hein. Ouais, eh ben tiens, une pour toi, et une pour toi. Ah tiens, c'est pour toi, petit. Ouais, cool, on va voir ce que je peux en faire, quoi. C'est pas ce que je préfère, mais bon... Bon bah c'est parti, elle est où la télécommande? Vous êtes prêts les enfants? Ça va puer! Ça va être trop fort non plus. Ah, on peut jouer à deux? Oups. On peut jouer à deux, non? Quelle branche la manette? Choisis un ou deux joueurs. Ah, c'est super, c'est super. Il veut pas. Ah ouais, bah t'as qu'une manette connectée. Ah, ça va être chacun à son tour à mon avis. Ah, tu crois? Ouais, t'es allé dans deux joueurs. Ouais. Ah, alors là, ils sont en train de camper dans la... Ah, bah, ça doit puer dans la tente, hein. S'ils ont mangé du McDo, qui pète dedans, laisse tomber, hein. Et on peut péter ici aussi. Alors, les couleurs sont dégueulasses, d'ailleurs. Putain, j'avoue. C'est les vapeurs de paix, je pense. Ah, bah, Ronald, regardez, vous êtes là. Bah, la dépiction est juste, hein, puis il y a des vapeurs de paix à côté, là. Oui, oui, c'est bien moi, il y a même mon sac à vomi à côté, là. Oula, je sais pas ce qu'il y a. Oula, ça y est, il est en train de lâcher une caisse encore. C'est vraiment autobiographique alors. Oh, c'est tellement beau que ça me donne envie de vomir. Burglar, ça veut dire cambrioleur en anglais. Je fous les niveaux de mon QG. Et ah, bah dis donc, c'est dégoûtant. Hein, du coup, on lui fouille son QG. Ouais, il y a des trucs bizarres avec les enfants. Hein. Ronald, je ne connaissais pas cet aspect là, hein, mais bon. On dira rien à la police, hein, parce que... Non, mais j'ai rien fait, j'ai juste montré mon QG. Ah, on copie Mario Bros 3. Allons-y, hein. Ah, je suis obligé de faire le premier monde d'abord. Ah, je peux plus sauter. Ah, je pouvais sauter. Là, il est invisible, là. Oh là là. Je suis aveuglé par le gras, là, c'est... Hé, les enfants! Vous avez déjà réussi à péter et à vomir en même temps? C'est visuellement gras, je dirais. Ouais. Là, c'est fou. Là, il y a même des escargots baveux, là. Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'essaye, je vais y arriver avant la fin. T'es en train de mourir, t'as plus qu'un cœur. Ok, chouette. Et le bloc, là, tu peux pas le soulever, là. Alors, c'est ça, le monde de McDonald's, bah, dis donc. Ah! Voilà, bien joué, oh là là. J'ai failli tomber. Oups! Ouais, il a encore des forces et tout, mais je suis sûr qu'à force de manger du McDo, il va devenir de plus en plus gros le perso, il n'arrivera plus à rien faire, il restera assis dans un coin. Mais c'est super de devenir gros, hein les enfants. C'est le message de McDonald's, c'est que la nature, c'est mauvais, c'est méchant. Manger que du chimique, que du pas naturel. Ah, la prairie, c'est... Ah, c'est Player 2, là. C'est plus ce que c'était. Et ben... C'est moi qui joue, là. Eh, t'as vu, c'est inclusif, il est de couleur, lui. Eh oui, bah à l'époque, hein, déjà, il y avait l'effet... Pas de race, pas de couleur. On lâche tous des caisses, pareil. Okay. Ah, regardez, je suis noir, quoi, c'est-à-dire que... Je sens que t'as joué avant. Non, j'ai jamais joué à cette merde. J'ai envie de vomir rien qu'avec ça, là. Mais c'est juste que je t'ai vu jouer. Choper. Ouais. Ah ouais, c'est... Ouais. Enfin, il est noir, on dirait surtout un zombie, et on dirait qu'il est déjà mort et qu'il est vert, le mec. Eh ben, il est vert parce qu'il a envie de vomir, et il a de la chance, hein, les enfants. C'est super de vomir. Hein, c'est tout ce gras qui me perturbe. Ça glisse un peu, tu sens qu'il glisse ah, un peu. Ah putain, j'ai raté, là. Il a des steaks à la place des semelles. Les contrôles sont horribles. Et donc là, en fait, c'est... Il y a une bonne latence, quand même. Hein. Je mange du McDo, là. Ah... Regarde, t'as vu le... T'es quoi, t'as vu ça? Rentre chez ta mère. Ah oui, non, mais c'est pour retourner au début du niveau très rapidement, ça. Et donc, si je mets le bloc, pas le mettre... Ouais, dans le truc invisible, là. Ah là, ça fait rêver, ce jeu, là. Ah ouais, ça fonctionne. C'est magique. Tout ça pour récolter des trucs de merde, même pas rare, là. Putain, j'y arrive pas. Et donc, c'est du gras, c'est ça, c'est des calories, en fait. C'est des calories qu'on récolte. Ouais, c'est plus de la graisse chimique sucrée, hein. Ouais, ça glisse un peu, hein. Le personnage... Bah, il est couvert de graisse, je pense. Ouais. Tout est couvert de gras, hein, c'est le monde de McDonald's. Ah, donc ça glisse, ça pue. Derrière là, tu vois, c'est des fontaines de sucre.
Et en dessous, c'est le gras. Ouais. C'est une explication de la chimie du corps humain. Selon McDo. Ah, il saute pas assez haut. Bah, parce qu'il est trop lourd, il est trop gros, il a mangé trop de McDo. Là, t'as des pailles et des steaks hachés. Ah ouais. C'est parmi les contrôles les pires que j'ai jamais vus. Hein. C'est vrai, il y a quand même. Il y a un peu de latence. Il y a quand même un peu d'air contrôle là. Ouais, moi aussi je contrôle de l'air. Oh non, va falloir éviter l'espèce de barrière. Ah non, c'est horrible. Ah, ça va encore la mélodie, je trouve. Ah, ce mec est converti au gras de toute façon. Oh là là, ça descend, mais est-ce que regarde, ça va remonter? C'est trop lourd. Saute pour voir si ça remonte, ouais. Non, pas du tout. J'ai pas envie de remonter là. Ah, c'est la fin, d'accord. Ça, c'est comme ils ont mis le poteau, mais allongé. Oui, comme le poteau de Mario, mais à l'horizontale. Alors, docteur Keegan, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi notre ami Ronald n'arrête pas de péter comme ça? Oui, bah, c'est très simple. Dans l'estomac, il y a le gras qui sublime le sucre, et le sucre qui sublime le gras, et du coup, tout ça se mélange, l'estomac est en PLS, et les sphincters se relâchent, quoi. Voilà. Mais ça pue la mort, quand même, là. Hein. Oui, non, bah, c'est l'odeur de la mort, hein, c'est comme ça que ça se passe. Alors, le bruit est marrant. Hein, les enfants? Eh ben, tiens, une pour toi. Une pour toi. Mais il est trop lourd, il est trop gros, tout est trop gros et trop gras dans le jeu. Donc... Ouais. Ils apprennent aux enfants. Les noirs et blancs se battent. Non, t'as vu? C'est des personnes qui se battent entre elles parce qu'ils sont pas de la même couleur. Ils sont pas de la même race. Oui, grâce à McDo, tout le monde devient gros et vert. Il y a plus de racisme, c'est génial. Attention, c'est un animal naturel, il doit être dangereux là. Et le bloc là où tu peux. Oula, c'est des gouttes. C'est une araignée, je dirais. Ah, j'ai cru que c'était une ruche. Putain, c'est dangereux. Tu peux soulever le bloc qui est en dessous de toi pour prendre tout le gras qui est en dessous là. Je fais comment pour le soulever? La flèche du bas, peut-être. Et si tu sautes et que t'appuies vers le bas avec B ou. Ah, peut-être, ouais. Non. Tu peux peut-être péter le bloc en balançant un des blocs qui est là vers le bas. Bon, on y est presque. Ah ouais, c'est-à-dire que tu pourras passer en dessous. Tu veux pas t'accroupir là, pour éviter la... Est-ce que je peux... Une glissade, ouais, ça glisse pas beaucoup. Ouais. Un trampoline, ah, tu peux monter au-dessus là-haut peut-être. Ah, tout ce gras visuel là. Oh non! Ce qui est derrière là, c'est des arbres, mais tout gras. C'est horrible. Ouais, c'est horrible, ouais. C'est toute l'essence de McDonald's. C'est frustrant. Voilà, la frustration. Les frustrations, t'es comme technique de vente. Ouais. Puis les deux enfants sont malades, hein, si vous regardez bien. Les deux, ils sont à moitié verts. Hein. Le petit gamin, là, il est jaune, blanc-jaune, et l'autre, il est vert, brun-vert, quoi. C'est des zombies, les gosses, en fait. Faut garder le bloc magique, là. Il va te servir après pour je sais pas quoi. Ouais, voilà. Attention, il y a un piranha. Ah oui, il m'a tué en un coup. Non, j'avais plus de... Repose en paix. Allez, c'est parti pour les personnes de couleur avec la coupe... Qui passe toujours en deuxième, hein. c'est ça. Hein. Au moins, ça contredit les... Comment on appelle ça? Les films d'horreur où c'est eux qui meurent en premier. Oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est surtout que le noir doit attendre que le blanc est fini. Le message est clair, hein, McDonald's. Merci. Non. Merci pour ces explications sur le monde, hein. C'est le monde sur lequel bon, oh, c'est caché. Le monde que vont devoir affronter les enfants. Hein. Ah oui, on peut ramasser un bloc en plein saut, regarde ça comme c'est impressionnant. T'as quand même plus de skill que moi. Hein. Oh, j'ai réussi à le lâcher vers le bas, regarde. Ouais, ah, ça veut dire que tout à l'heure, on peut péter le bloc. Mm-hmm. Oh, mais c'est la mort, ça. Ah, tiens. Celui-là, il a pas fait de bruit. Ouf, c'est horrible. C'est horrible. En plus, les monstres repop. Allez. Oh, je l'ai eu. Ah oui, t'es lui. Ah. Oh là là, je suis fatigué déjà par tous ces efforts. Regarde comme il est vert, ce personnage. Il est même pas noir, il est vert. Bah quoi, c'est super d'être malade. T'imagines la quantité de nuggets qu'il a mangé pour ressembler à ça? Mm-hmm. Moi, j'arrive pas à attraper le bloc, j'en ai marre. Je m'en vais. Donc, on peut balancer les blocs vers le bas. Ouais. Voilà, là, j'ai pas bien, ouais, je... Essaye de te mettre sur la branche, voilà, là, et de le ramasser le truc.
Ah, et ça n'a pas pété. Ah oui, mais on peut le ramasser comme ça. Comment t'as fait? Bah, j'ai appuyé vers le bas. Et t'es coincé là, tu vas mourir avec le piranha obligé. Obligé. Non. Bah, je peux aller vers la droite là, non? Ah non. Non. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Bon, alors là, la cartouche est malencontreusement décédée, donc on va devoir pratiquer une dissection pour essayer de déterminer la cause de la mort. Oh, bah, peut-être qu'elle s'est asphyxiée avec ses propres pelles. Ou alors, elle s'est étouffée dans son vomi. Je peux lui faire du bouche à bouche, hein, sinon. Ah, c'est rempli de gras là, c'est dégueulasse, c'est normal. Oui, tout va bien, hein. Jusque là, on est bon. Hein. Alors. Ah, bah voilà, bah oui, bah bien sûr. Mal digéré le nugget. Ah non, mais mangez pas ça, vous êtes dégueulasse. Du pur gras, c'est parfait. Tu perds 10 ans d'espérance de vie d'un coup, mais franchement. Y'a pas mieux. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Pensez à liker et partager aussi. Non, je dirais pas que je suis alcoolique. Fin de journée, je suis alcoolique un peu. Mais pas au début. Sentimentalement, j'ai pas encore trouvé celle qui saura reconnaître mes qualités. Non, trop mince, j'aime pas du tout. Ah voilà, ça c'est mon genre de femme. On voit qu'elle sait profiter de la vie.